Bon, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Petite séance cool aujourd'hui. On va sortir le haut du corps. Hier, j'ai fait une séance fast, biceps, épaules. Là, mon état de fatigue, il est pareil. Hein. Je suis KO, je suis mort. Je vais pas faire de séance structurée. Je crois que je te filme ça, donc il y a du monde dans la salle. Je peux adapter, passer sur le banc, faire des exos, essayer de mettre un peu de force, un peu de charge lourde. Ça va bien se passer. Et j'aime bien m'échauffer en élévation latérale. Je compte pas laisser à l'échauffement. Je fais juste quand j'en peux plus. Jusqu'à que, voilà, chaque mes épaules brûlent. Et je suis bien. Par contre, j'ai pris les 8 kilos là, tu vois. Les 6 kilos sont pris. Les 4 sont pris. Ils sont pris, pardon. Donc je peux pas prendre plus léger. 8 kilos, ça fait déjà mal. Vraiment. C'est incroyable. Du coup, je fais ce que je peux. Pour bien m'échauffer. Voilà, les chutes, faire ça bien. C'est important. Oh. Plus là, j'ai un pull. J'ai un pull assez lourd. Ce qui fait froid à la salle avec la clim qui met là, il fait super froid. Donc, je mets un pull. Comme ça, quand je suis bien chaud, je suis chaud pour de vrai. Et après, j'envoie. Bon, j'ai un bonnet aussi, ça réchauffe, mais le problème, c'est que ma coupe, elle est pas faite. C'est-à-dire que si je la retire, c'est un truc bizarre, j'ai pas envie. Je vais être frais un minimum, tu vois. Ok. Mais bien, je commence à être chaud. Je commence à être bien. Et vu qu'il est 21h18, et bien, c'est jusqu'à 23h. Je vais prendre un petit pré-workout. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Mais je vais pas prendre un pré-workout puissant. Je vais prendre. Je vais voir ce que j'ai là. Je crois que j'ai un pré-workout gel. Je vais prendre ça. Pré-workout gel. Très très bon. Même si c'est pas un pré-workout que je conseille. On va pas se mentir. Parce qu'il est. Il est pas très fort. Mais il réveille. Il réveille bien. Je préfère celui en poudre, en shots. Tu en gel, mais il fait l'affaire, il va me réveiller un peu et puis on va voir ce qu'on peut envoyer. Par contre, au niveau du goût, il est mieux que le Energy Gel. Energy Gel, c'est un goût à l'orange et tout, c'est compliqué. Là, c'est Berry Blast, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Je crois que c'est des myrtilles, je crois. Hein. Berry Blast. Et ce que j'aime bien avec les shots de pré-workout, les gels de pré-workout, c'est que je prends vraiment la dose qu'il faut prendre, tu vois. Parce que je sais que quand je prends des poudres, il met toujours un peu plus et tout, je dépasse les doses, tu vois. C'est pas bon ça. Non, ça fait du bien dans la séance, mais c'est pas bon. Parce que là, je prends vraiment la vraie dose, je suis bien. Bon, allez, c'est parti. On va refaire des élévations latérales tranquillement. Histoire de laisser le pré-workout agir. Laisser mon corps chauffer. Ça va bien se passer. Il y a 8 kilos. Je peux pas les faire en spination, malheureusement. Trop lourd. On va voir. Comment on peut repousser son physique en 2 jours avec le travail? Comment pousser ses limites et se faire mal en 2 jours? Oh, putain, j'ai mal. Vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Je sais même pas si la vidéo d'hier a été appréciée ou pas. Je l'ai postée à 18h là. Après, j'ai fini mon taf. Et puis je suis allé à la salle. En tout cas, essaye de faire de mon mieux pour faire du contenu immersif, faire des séances comme ça. Je sais que la plupart aiment bien ces séances-là. Parce que ces vidéos, c'est long. Bon. Prends pas la tête, je passe trop de montage. Et juste, je parle, je m'entraîne, je montre comment je m'entraîne. Puis voilà. Ceci pour te montrer que, certes, j'ai un programme, je suis discipliné, je suis bien.
Mais parfois, des sens comme ça, des sens où tu es fatigué, tu sais pas trop quoi faire, mais tu as envie de t'entraîner, tu peux pas suivre et assumer un vrai programme. Mais tu peux assumer, enfin, tu peux t'entraîner et te faire mal avec une petite séance. Et mon but, c'est aussi de montrer ça, de montrer que ça arrive à tout le monde, tu vois. Sauf pour les gens que je suis en programme. S'ils sont fatigués, ils suivent quand même leur programme. Vous êtes obligés. Vous avez du muscle et de la masse à construire. Moi, je dois l'entretenir. C'est différent. Quand tu dois entretenir de la masse, tu peux te permettre de faire des trucs, on va dire, durs, mais moins durs qu'un vrai programme de musculation. Moi, je voulais prendre les 6, mais j'ai pas trouvé. Je vais faire ça avec les 8, c'est pas grave. 4, 5, je compte parce que je sais pas, je vais jusqu'à ouf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Là, je préfère comme hier. Je préfère des escaliers où je vais me tuer. J'ai un peu plus de temps. Donc, je vais me faire mal. Je vais me faire mal. Je pense que je vais faire le dos. Je pense vraiment que je vais faire le dos. Je prends le banc là, je vais le tourner. Et je vais faire du rowing couché. J'aime bien ça. Je vais faire ça. Rowing couché. On va se faire 12 répétitions. Pour l'instant, on a 20 kilos, ça va. On va bloquer 2 secondes pour la première. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Une, deux, douze. J'ai mal, déjà. T'as un petit biceps. Tu vas sur le frontal. Tranquillement. Vers l'intérieur. Une, deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. Première, c'était pour bien me chauffer. Là, je prends les 30. Il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de 2 secondes. Mais 30, ça va me faire mal. 30, soit 8 ou 10 reps. On va essayer. Mais mon but, c'est... Enfin, objectif, mais je pense pas que je pourrais le faire, c'est de prendre au moins les 40 kilos. Avec la fatigue, ça va être dur. Mais on a un pré-workout. Donc, on peut y arriver. On va essayer. Trouver les 30, donc j'ai pris les 32, super lourd. Je sais pas comment je vais faire ça. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Oh. Putain. Mal. Super set. Oiseau alter cette fois-ci. En neutre. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. 14, 15, ok. Quand je sens comment ça va venir.
Pré-workout, il est pas ouf, mais franchement, ça vient, ça vient. J'aime bien. Je sens qu'il agit. J'aime bien. On va essayer de monter à 40. On va voir pour la troisième. Là, j'ai pris les 42 kilos. J'ai pas trouvé les 40. Donc, je vais voir si je réussis à soulever ça. On va faire ça bien. On va essayer de prendre une bonne prise. Et puis, voilà, hein. Ça va me faire mal déjà les 30, 32 j'avais. 32 faisait mal. 42, ça va être encore pire. Je me repose bien et j'envoie. Parce que c'est important. Allez. Hop, 42. Je sais pas comment j'ai réussi à soulever ça. Ok. 8 reps. Faire ça bien. Faire ça bien. Comment ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Avec un peu de repos, je pense que je peux monter un peu plus. Mais c'est pré-workout, ça. C'est pré-workout. Je le sens en moi. Je le sens. Tu vois, quand t'es fatigué, tu sens une puissance anormale. C'est le pré-workout. 2, 3, 4, sachant que ce fois-là, j'en ai pas pris. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pré-workout, quand on prend de temps en temps, tu vois vraiment les effets. Tu vois vraiment les effets que ça te procure, tu vois. Quand on prend tout le temps, au fur et à mesure du temps, tu ressens plus les effets. Tu ressens plus les effets, t'as plus mal et c'est pas bon. Faut vraiment prendre de temps en temps. Et comme ça, les jours comme ça, là, t'es fatigué et tout, t'as ton pré-workout, il agit et t'es bien. J'espère qu'on micro. J'espère que mon micro il tape pas trop contre ça là et qu'on m'entend bien. Hein. Sinon c'est pas grave. On entend des bruits et la prochaine fois je ferai attention. Mais ouais, j'ai envie de monter un peu plus là. 42 c'était bien, on manque une dernière. J'ai envie de monter. Le problème c'est que je me connais, tu vois. Il y a les 44, il y a les 46, il y a les 48 et il y a 50, tu vois. Et j'aime bien les chiffres ronds. J'ai envie d'essayer 50, mais je sais que ça va être plus dur. Parce que passer de 42 à 50, c'est pas passer de 10 à 15, tu vois. Oh. 46, ça peut être le bon choix, 46. Parce que 48, si je fais les 48, je serais dégoûté. Parce que 48, c'est comme si que je faisais les 50, tu vois. Et 46, en fait, ouais, c'est ça. 46, c'est juste le milieu parfait. Je sais pas si on va faire 46. Bon les gars, j'ai pris les 50. J'ai pris les 50, c'est bon. Je me suis dit, dame, c'est bon. T'as un peu de force, c'est le début de la séance. Tu peux prendre les 50, tu peux essayer. Même si c'est un échec, c'est pas grave. Même si j'en fais 4, 5, c'est pas grave. Même 2, c'est pas grave. Là, de toute façon, on va travailler le haut du corps. On va pas faire que le dos. Je peux me permettre de prendre les 50. Je peux me permettre d'essayer de prendre les 50. Alors ça, je me repose bien. Je prends mon temps. Je visualise la charge. Et aussi l'effort que ça va me donner de mettre pour soulever ça. Et j'assume tranquillement. On va faire ça bien. Parce que c'est important. On va essayer de faire ça bien. 50, c'est lourd, c'est très très lourd. Sachant que, au-delà d'une certaine charge,
c'est plus ton dos qui bosse. Là, ça va être deux muscles qui vont prendre comme mes bras, les avant-bras, qui vont être sollicités, qui vont aider l'arrière des épaules aussi. Mais là, c'est pas que le dos, là. Quand c'est très lourd, il faut savoir, hein, quand c'est très très lourd, il y a d'autres muscles qui vont prendre le relais. Donc là, je suis plus sur un travail du dos, là. Allez. Comment on fait ça bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8. Mouvement, je sais pas s'il est bien. J'en ai fait 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, faut que je tende plus mes bras. 12, 13, 14, 15, jusqu'à 20, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, j'ai mal. C'est incroyable. C'est incroyable. Exercice fini. Je vais bien me reposer et partir sur un autre groupe musculaire. Tranquillement. Bon, là, on va faire les pecs. Parti sur de l'incliné. J'ai incliné le bord à 15 degrés. C'est très très peu. On va essayer de faire le haut des pecs. Même si que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, j'ai déjà dit à quel point c'était dur de bosser le haut des pecs. Surtout quand génétiquement, on n'a pas un haut des pecs développé. On va prendre les 32 kilos et faire une série contrôlée. 32, il faut savoir, c'est une charge moyenne pour moi. Moyenne, mais moyenne légère, on va dire. Donc, on va faire 10 reps contrôlés tranquillement. Et après, peut-être on va mettre le banc droit pour faire un peu de force. On va balancer 10 répétitions. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, allez, neuf, ok, dix, très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas bossé à l'incliné. Ça fait vraiment très longtemps. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais comme là, j'ai pris du pré-workout, mon gars me demande de mettre du lourd. On va mettre du lourd. On va mettre du lourd. C'est parti. Bon, tu sais quoi? On va rester sur l'incliné. On va mettre 46 pour être en confiance. Pour voir si je peux les soulever. Normalement, ça devrait y aller. 46 kilos. On va rester sur l'inclinaison à 15. Et on va voir, par contre, je suis désolé, il y a un peu de monde à la salle. J'espère que mon focus de ma caméra, elle va pas prendre quelqu'un de derrière. Sinon, c'est pas grave, mais dans tous les cas, c'est 46 kilos que j'ai. Ok? On va essayer de faire 8 reps, pas plus, pour être bien. Là, par contre, c'est pas contrôlé et tout. Enfin, c'est pas... On va pas faire une série légère, on va faire une série à allure normale. On va mettre de l'impulsion si c'est lourd. Et puis voilà, hein. Si jamais les 46 se passent bien, on va passer sur les 50 et puis voilà, mais on va pas dépasser 50 parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les 60 ici et même à l'incliné, mais on va rester sur ça pour l'instant. On va envoyer, allez. Allez. Par contre, si c'est lourd, là on rentre pas dans le moyen léger, on rentre dans le lourd directement. Là, je le sens. Je le sens, ça va le faire. Allez. 1, 2,
8. Ouais, je la sens. Je la sens bien. Aïe, aïe, aïe. On va en faire une à 50, je pense. Une à 50, on va poser ça. Oh. Ça fait un temps que je m'ai mis lourd à la clinique. Hein. C'est pour ça. Si je remets le banc droit, ça va être mieux, mais de base, mon point fort, c'est bossant en incliné. Donc, on va récupérer la force qu'on a perdue en incliné. Faire ça bien. Allez. Petite pause énergie gel. Je le rappelle, c'est le meilleur gel de chez MyProtein. Le meilleur énergie gel. Quand tu sens que tu perds un peu d'énergie, sans que ta séance commence à être dure, la fatigue un peu, tu prends ça et tu repars tranquillement. Et si tu souhaites en procurer, tu peux être le code d'âme sur MyProtein. Allez dans le lien en bio. Mets le code d'âme, c'est comme ça on est bien. Le goût orange, en fait, au début, je t'explique. Au début, ça choque. Tu trouves ça pas bon. Mais plus t'en prends, plus t'aimes. Et plus, en fait, c'est bizarre. Quand tu sais à quel point ça te met bien, à quel point ça te réveille, bah, t'apprends à aimer le goût. C'est bizarre. C'est comme le café. Au début, t'aimes pas le café, mais quand tu vois que ça te booste, ça te réveille, ça te met bien, bah, quand tu sens du café, bah, tu kiffes, t'as envie de café, t'aimes bien, tu vois. Moi, je kiffe le café de base aussi. Hein. Le café, quand je sens une bonne odeur de café chaud, je kiffe, incroyable. Comme ça, on va envoyer 50 tranquillement. Et je sais pas ce qu'on va faire. Là, tu vois, je fais pas beaucoup d'exercices. Hein. Et rien n'est structuré. Il est 22h09. Bah, là, il reste une heure, à peu près. Moins d'une heure. Aujourd'hui, on s'amuse. Hein. On fait une bonne séance. Mais on s'amuse avant tout parce que c'est important. Allez, 50. Fais ça bien. 50 kilos. 50 kilos, c'est rien. T'as l'habitude de faire ça. C'est des jouets pour toi. 50 kilos, c'est des jouets pour toi. Allez. Toujours se motiver, c'est important. Toujours. Toujours se motiver, soulever, sans crier, sans faire de bruit. Faire ça bien. On valide. On valide. C'est lourd. Faut qu'on fasse 8 reps. Droit à l'impulsion. Droit à l'impulsion. Faire ça bien. Hey. Allez. Comment? Oh. Ouais. 5, bien descendre, c'est important. 6. 7. Ok. 8. Wow. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Mais ça qui est bon. Ça qui est bon. 8 reps, on a fait ça bien. On a validé. Là, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je vais vers une machine guidée là-bas, là, parce qu'il y a pas beaucoup de gens. Ou si je reste à faire le truc aux haltères. Mais je pense qu'on va changer un peu d'espace, d'environnement. On va aller là-bas. On va voir ce qu'on fait en guidée, là. Faire des bons trucs. D'horreur, les jambes. Je commence à venir un peu. Je commence à se muscler un tout petit peu. J'ai pas des jambes de fou. Mais ça commence. On va continuer à aller bosser là. Les quads.
C'est important. Là, je prends un petit tanka là. Ça. Break bar. C'est très bon. On va prendre ça. Après, on va partir sur la machine d'eau. C'est encore une ruine machine, hein, je crois. Hein. C'est encore une ruine machine unilatérale. On a déjà fait du ruine, mais c'est pas grave. Tu vois, franchement, c'est pas grave. Le but est de se faire mal. C'est pas structuré, mais. C'est pas structuré, pardon. Mais on va se faire mal. Mais les protéines, ils sont forts parce que avant, leur cookie protéiné, leur Anka, c'était pas bon avant. Là, c'est bon alors. Ils ont fait des Kit Kat, des Kinder Bueno protéinés, super bon. Incroyable. Il y a 20 kilos sur la machine, on va enlever. Il y a 2 poids de 10 de chaque, on va mettre un 20 dessus et on va balancer. 10, 10, 10, tranquillement. Ça va bien se passer. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien être debout cette machine-là. J'aime pas m'asseoir sur le dossier. Je reste debout, prise serrée. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ok, côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Là, je mets de la force, je mets de la pression parce que c'est dur. Il n'y aura pas de contrôle. Si je mets du contrôle, ça va me faire trop mal pour rien. Et je préfère mettre le contrôle quand je fais des séances pour un muscle spécifique. Mais là, on se détruit là. Je crois que je vais mettre un peu plus lourd encore. Il y a 40. On va essayer de mettre 60. Même si que 60, c'est super dur. On va mettre 60. J'ai mis 60. Mais là, j'ai un peu mal. Bas du dos là, tu vois. Pas au lombaire, mais en bas du dos. Après, c'est dû à ma journée, la fatigue. Le rowing à 60 en halter, ça fait mal. Là, je m'encore 60. Mais je pense que je vais faire juste de l'unilatéral. Unilatéral, et peut-être que pour les deux, je vais enlever 40 kilos. Pour les deux, je vais peut-être faire 20 reps à 20 ou 10 reps à 20. Je vois. Mais là, c'est lourd et j'ai un peu mal. Donc, dernier exo. Et après, petit muscle, hein, peut-être faire les biceps. Je vois, on passe combien de temps, là? Environ une demi-heure. On va voir, peut-être les biceps, après. Allez. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Allez. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, c'est rien, 9, 10. Ok, on va retirer. On retire 40 kilos de chaque. Ça, on est bien. J'ai jamais fait de séance dégressive avec toi, mais dégressif c'est bien aussi. On sait qu'une grosse charge, tu fais des reps, tu baisses, tu fais des reps, tu baisses. Mais c'est chiant à filmer ça. Allez, 20 reps. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai mal. Ah, j'ai mal. C'est incroyable comment j'ai mal. C'est incroyable. Tu vois, moi, j'aime bien te le dire. Parce que je suis pas un super soldat.
je suis pas un super guerrier. Quand j'ai mal, j'ai mal. Je te le dis, j'ai mal, c'est réel, j'ai mal. Mais je continue parce que j'aime ça. J'aime ça. Si j'ai mal, c'est parce que je m'entraîne bien. C'est parce que tout se passe bien. Et c'est important, faire les choses bien. Et c'est important. Je vais te faire les biceps là. Faut que je trouve un bon endroit pour être bien et être tranquille et bien me tuer. Mais je sais pas, j'allais où. Est-ce que je prends le même endroit qu'hier ou pas? Hier, enfin, je sais pas si t'as vu ma vidéo juste avant, mais hier j'étais bien. Hier, je vais voir ça. On va faire ça bien. Bon, là j'ai pris 8 kilos. Je vais faire un petit warm-up bras bien, supination comme ça. Et on va voir à combien de reps on va aller, tout simplement. Comme j'ai dit, il reste 30 minutes. Les bras, c'est mon point fort. C'est un régal. C'est un amuse-gueule. C'est vraiment le plaisir. De quoi faire ça bien. Allez. 1, 2, 3, 4. On va chercher la congestion, la douleur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, allez, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, au moins 50, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 50 reps, ça on est bien, sachant que les bras sont remplis de sang, avec la congestion. On va voir ce qu'on peut faire avec du lourd. On va voir. On peut faire du neutre, lourd. On va envoyer ça correctement. Je vais faire du neutre avec 26 kilos. Trop lourd. Trop lourd. Donc je vais prendre 20 kilos. Alors d'habitude, le neutre, je le fais avec 32 kilos, 34, même 36 kilos. Ce cœur-là, là. Tu vois? Malheureusement, avec la séance qu'on a fait, avec la fatigue qu'on a accumulée avec tous les exos d'avant, je suis obligé de baisser mes charges, mais bon, c'est pas très grave. Mes biceps congestionnent vite. Mes biceps réagissent très très bien. Et puis, on va se réserver les charges lourdes pour les biceps pour les prochaines séances. Mais 20 kilos, c'est déjà bien. Neutre, unilatéral, sans tempo, sans rien. C'est parti. 1. Allez, 3, 4, allez, 5, 6, 7, jusqu'à 10, 8, 9, 10, ok. Petite contraction de bodybuilder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ah, ça me rappelle des séances. Ça me rappelle des séances que je faisais avant avec un frérot à moi, Naï Jojo. Et ça me rappelle aussi les programmes qu'on faisait ensemble de body. On contractait 10 secondes. Pour être bien. Ouh. On se pose un peu et on va repartir. Tranquillement. Deuxième. Allez. Comment ? Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. 6,
7, comment 8, 9, 10. Ok. Quand j'ai cette tête-là avec cette barbe-là, ça me rappelle c'est Chief Leacher. J'aime trop être comme ça. Une barbe, encoiffée, bonnet ou casquette, focus dans ma séance. En mode City Fletcher. City Fletcher, c'est le parrain, les gars. C'est l'initiateur. C'est pas lui qui m'a eu dans la muscu, mais lui m'a fait contribuer à me donner à fond, à rien lâcher et à me battre. Parce que c'est important. Là, je crois que j'en fais encore deux autres. J'essaie de monter. Parce que 20, c'est bien. Mais vu que j'en ai enchaîné deux, sans trop de contraintes, mon corps demande un peu plus de douleur. Du coup, on va monter un peu là. J'ai pris les 30. Parce que mon corps s'est réveillé un peu. Mais parce que j'ai envie de le faire. Je pense que je vais faire 8 reps. Et je pense aussi que, à partir de la peut-être 3e, je vais faire un mouvement pas naturel. Comme ça, je mets des mondos. Je pense. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de soulever lourd. Même si je mets un peu de mondos, je bouge un peu, c'est pas grave. On va essayer de rester droit, mais si on n'arrive vraiment pas, on va céder. C'est pas grave. Je viens de mettre lourd. J'ai envie de mettre lourd. Comment ? Hey. 1. 2. 3. 4. 5. 6, allez. 7. 8. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. J'ai mal, sachant que là je fais les bras hier. Là je les refais encore. Dinguerie comment j'ai mal. Je voulais faire les triceps, mais il y a un mec qui est sur la poulie, il fait rien depuis tout à l'heure. Il y a d'autres poulies, mais il est à l'endroit où je vais être pour filmer, pour être tranquille. Faut qu'il parte. Et je vais faire encore un exo biceps, un exo cool. Et après on va voir, il va rester combien sur la poulie avec le mec, on va voir ça. Mais là c'est bon pour le neutre, c'est bon. 30 là, ça m'a fait, ça suffit. Je sais même pas si je vais tenir 10 répétitions. Une rep avec un bras, une rep avec l'autre, une rep avec les deux. Je crois que je l'ai fait hier en plus. On va faire ça, mais en serré là cette fois-ci. Oh. 3, j'ai pris les 14 kilos. 4. Je vais tenir. 5, je le sais. 6, allez. 7. 8. 9. 10. Oh, j'ai mal. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. J'ai mal. Franchement, avant,
Je faisais ça presque tous les jours, les biceps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les fumais, je voulais des gros bras à tout prix. Maintenant, je les fais très très peu par semaine. Mais j'ai mal. Franchement, ça, c'était rien dans mes programmes avant ça. C'était un exercice, j'en avais peut-être 7, 8 après, comme ça. Et là, plus ils sont gros, plus ça congestionne, plus ça fait mal. C'est une dinguerie. J'ai moins d'endurance sur les biceps qu'avant. Avant, j'avais l'endurance plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Là, j'ai très peu d'endurance, de la force, mais moins qu'avant. Et j'ai mal vite, ça tétanise vite, ça me brûle vite, ça me fait mal vite. Dû au volume musculaire. Plus t'as du volume, plus tu tétanises. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On va voir si on peut prendre une poulie là. Faire les triceps. Allez. C'est qui a parlé ici? C'est ici 35. Ok. 35, ça ok. Comment? Ok, parfait. Oh, 20 kilos dessus. 20 kilos, c'est rien. Comment? Ok. Oh. Ok, parfait. On est bien. Ouais. Bon. Je mets ma poulie. Faire un peu de série avec. Pour rappel. La poulie, c'est pas le meilleur exercice pour grossir ses triceps. Pour les tracer, c'est bien. Pour les grossir, barre au front. À part quand tu prends la barre droite sur la poulie et tu prends en prise supination et tu fais ça. Là, c'est intéressant pour moi. Mais sinon, ça, pour les faire grossir, c'est pas intéressant. Mais bon, visuellement, c'est beau. Tu sens que le muscle se déchire bien, c'est beau. Baisser un peu. J'ai mal, ça brûle. C'est bien. Ça brûle. Ok. Comment? Ok, parfait. On est bien. Séance. Validé. Oh. On a fini. Et j'ai une très bonne congestion. Vraiment. Je suis bien. Et c'est important de se sentir bien. En tout cas, non, j'aime. Abonne-toi. C'est important. Non, on va rentrer tranquillement. Oh.